Bonsoir, bonsoir. Un petit coucou. Salut Estelle. Non, je suis pas toute seule, pas de panique. Du coup, les gens, ils veulent même pas dire coucou. Ils ont peur. Allez, viens. Bonsoir tout le monde. Salut Xavier. Tu commences pas. Je suis pas du tout du côté du bon côté du lit. Salut Estelle, salut Xavier, salut Séverine, bonsoir Elodie, bonsoir Dominique. Coucou Seb, je t'ai pas vu passer, je me suis dit, oui, c'était... Alors Séverine, c'était la première, ce soir elle est au taquet. Bonsoir Sylviane, bonsoir Laurence, bonsoir Béatrice. Je crois que depuis la semaine dernière, t'as pas envie. Donc, un tu dis petit problème de vision, ou je sais pas, il y a un blocage quoi. Salut Nélia. Salut Nélia. Bonsoir Blandine, on attend une minute encore, le temps que tout le monde se connecte. Salut bonsoir Eliane. Eliane. Ah, coucou Sabi. Ah, salut Charlotte. Alors, quelle heure il est? 6h02, allez on attend quelques secondes, salut Jérôme. Hello. On ne voit pas bien toi, non? Faut que tu recules un peu, non? Non, on voit bien là. Ah, okay. Bonsoir bien, Hassan. Coucou Emma. Salut Charlène. Qu'est-ce qu'elle dit Charlène? Ah mais attends Charlène, je suis réservée surprise, comme ça tu peux cumuler tes commandes. Et Charlène, je pense d'ici Noël on est bon. Et promis, là je vais te faire une livraison. Allez, on démarre. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir. Ce soir, on est content parce que ce soir, c'est plein but, printemps, été. Nouvelle co. Wouh. Bonsoir Angélique. Salut. Voilà, alors je ne sais pas si vous êtes content, mais en tout cas, nous, on est content parce que voilà, ça fait toujours un petit peu cet effet. Vous savez, quand vous vendez du prêt-à-porter, qu'on change en fin de saison, on est content parce que bah, nous, ça fait 6 mois qu'on voit les mêmes produits. Donc, quand ça tourne, et ben, voilà, ça fait du bien. C'est sympa. Et pour ceux qui me connaissent, ben, voilà, moi et les habitudes, on est souvent très fâchés. Donc, voilà. Donc, ce soir, je suis content qu'on puisse enfin vous proposer de la nouveauté, du soleil, de la couleur. Parce que ma thérapie de quoi? Non, c'est vrai, c'est la vérité. Vas-y, lâche tout. Je me lâche ce soir. Non, ce soir, je me livre. Non. Bon, bah, pour le programme, ça va être comme d'hab. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle passera un jour. Ah, j'espère en tout cas. On se tient au chaud. Ce soir, donc, pour le programme, bah, c'est comme d'habitude. Les dames d'abord, les messieurs ensuite. Notre invité du jour pour terminer notre live. Voilà, et puis... Bah, non, d'ici là, il est nul. Bon. Ce soir, fête des grands-mères. Ah ouais, bonne fête aux mamies. Voilà, donc si jamais il y a eu des oublis ou quoi que ce soit, on pense qu'on peut faire des livraisons à l'adresse de votre choix. C'est pas un souci, on donne juste l'adresse à la poste. Donc, si besoin, ça, vous n'hésitez pas. C'est vrai, là, je te félicite. Hein, parce que, très professionnel. Hein. À mon avis, on va rigoler pendant la présentation. Oh. Ah, salut maman. Fête des grands-mères, ma mère, elle s'est dit, attends, j'y vais. Maman. Bonsoir Gaëlle. Oui, donc exactement. Donc, aujourd'hui, fête des grands-mères. Donc, ouais. Voilà. S'il y a des besoins, vas-y, je t'en prie. Pour rappeler. Non, mais. Bon, je sors. Moi. Non, juste pour rappeler, parce que souvent, on enchaîne directement. On fait les livraisons. On fait les livraisons pour tous ceux qui ne sont pas à la clète, qui ne peuvent pas se déplacer, mais même si jamais. Enfin, voilà. On fait les expéditions. Pas, oui, parce qu'en fait, je ne prends pas ma voiture pour y aller. Voilà. On expédie via la poste. Et on fait aussi des livraisons, mais autour de l'athlète. Bon, ok. Yes, du soleil, ma sœur, t'as carrément raison.
Voilà, et ben moi je vais pas en dire plus, hein, ça sert à rien. Non. Quoi dire de plus? Bah rien. Bon, bah voilà. Allez, salut. L'invité, elle se marre, je pense qu'à mon avis, elle va se marrer tout le long. Ouais, là, c'est surtout là qu'on va rigoler, tu verras. Non, ça va, promis, ce soir, normalement, j'essaye de penser à dire tous les numéros. Ouais, les prix. Les prix. Hein, parce qu'on nous a dit que la semaine dernière, tu avais oublié quelques trucs quand même. Ah, mais ça va, vous avez tout vu passer. Hein. Après, il suffit de demander. Hein. Exactement. Bon, je vous souhaite un bon live et moi, je vous dis à tout à l'heure. Bye. Allez, c'est parti pour donc des petites nouveautés hein. Ou pas, mais on va commencer directement par du basique qui dit printemps, dit jean. Donc, couleur jean, la petite chemise de chez Villa. On est sur du coton, effet jean, hyper agréable à porter parce que, comme vous le voyez, super souple. À pression, hop, on est sur une coupe droite. L'arrondi en bas, donc du coup, vous la portez par-dessus, vous la portez à l'intérieur. Vous la portez nouée, c'est pas un souci. Ça, ce genre de petite chemise qui fait chemise maintenant, vous la mettez sous un pull, vous faites dépasser le col, vous faites dépasser le bas, c'est super tendance. Vous la mettez cet été en, surveste, entre guillemets, ça passe très très bien. Et à même la peau, c'est tout le temps hyper canon. Donc, petite chemise, on est bon. Les tailles, ça va, mon chat. Alors, pour la taille. Donc la chemise coupe droite, hein, on est du XS au XL, donc 34-42, 42, 42 pas de souci, hein, parce que voilà, ça taille droit, donc c'est pas un problème, c'est l'article 169, je m'applique, hein, c'est le premier, et elle est à 39,99€, donc on est pendant les lives, bien entendu, vous avez 15% dessus. Derrière. Bah, excusez-moi. Voilà. C'est pour vous faire voir, parce qu'en fait, ça passe très très bien. Ça, je peux... Je me surestime. Mais je peux vous faire voir ça. Parce qu'au niveau de la coupe, même en petite surveste, elle passe super bien. Ce bleu est, passera aussi bien sur un clair que sur du brut. Ça coinçouille. Si elle est craquée, et je ne vous la vendrai pas. Je ne la fermerai pas. Hein. Mais voilà, au niveau de la longueur, donc comme je vous le dis, si jamais vous la mettez à l'intérieur, sur un jean taille haute, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez la nouer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà, tout sympathique, ça, tout léger. Au niveau de la compo, c'est du lyocell, donc matière naturelle. 70% de lyocell et 30% de coton. Ça marche, Charlène. Allez, je te la mets de côté. Toi, tu as ton petit côté. Mais j'ai dit le prix, j'ai dit la taille. C'est pas possible. Donc, du XS au XL, l'article 169, 39,99 avec 15%. Ensuite. Elle sait pas trop pour la Je te mets moi la taille qu'il faut de côté, t'inquiète pas. Salut Marie. Allez, ensuite, le petit t-shirt de chez Crim. T-shirt inscription, le petit t-shirt star. Voilà, l'inscription, donc, qui est en doré, mort doré, un petit peu comme, comme vous le souhaitez. Je vous présente là le blanc, je vous présenterai les autres couleurs après au fur et à mesure. Sachant que chez Crim, on a tout le temps la même coupe hein, au niveau des t-shirts, donc une coupe hein, sans couture au niveau des épaules. On est sur une coupe un petit peu oversize entre guillemets, parce que là je vous présente le XS. Vous ne serez pas serré au niveau de la poitrine, du XS au L, il n'y a aucun souci. On est sur une coupe un petit peu floue. Effectivement Marie, il est top le t-shirt, hyper confortable, bah voilà, et ça c'est dû en fait à l'emmanchure tout simplement, donc on est sur un col rond mais un col quand même assez dégagé hein, pour celles qui n'aiment pas les cols qui serrent, pas de problème. Là le petit retour au niveau de la manche, bonsoir Christine, effectivement il est hyper canon,
Donc voilà, petit t-shirt Star, vous l'avez du XS au L, donc qui fait 40, mais 40-42. Hein. Et il est à 29,95. Dessus, vous avez les 15% du live et c'est l'article 170. Voilà pour le petit t-shirt. Ensuite, on va passer sur un petit pull sans manches. Je vais vous montrer ça et après je vais vous le montrer sur la chemise que je viens de présenter. C'est pour ça que je suis désolée, je la boutonne. Hop là. Petit pull maille, maille ajouré, sans manches. Donc la grande tendance hein, du sans manches depuis cet hiver. Et puis on va en avoir encore jusqu'à l'automne prochain sans souci. Donc, à même la peau, sur une robe, sur une chemise, ça passe tout le temps super bien. Donc là, on est sur un col rond, ajouré, on est vraiment sur du blanc. Hop, c'est mieux comme ça, voilà. On est sur du blanc, on a une jolie longueur, hein, donc à part une chemise, ça passera très bien, ça couvre. Hop, que je vous fasse voir, moi j'adore, la superposition est vraiment excellente. Ça fait vraiment le petit pull, la petite épaisseur en plus, qui fait que là, en ce moment où on ne sait pas trop quoi faire avec notre vie, hein, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, c'est pas mal. Voilà, ça donne ça, c'est assez canon. Voilà, le petit pull. Vous avez le petit rappel. Hein. Je ne sais pas vous, mais enfin moi, j'adore. Donc ça, c'est l'article 171. Il me le reste en M et en L. Après, il est assez près du corps. Pour une fois, on n'est pas sur l'oversize. Donc, du coup, on sera vraiment sur du 38, du 40. Sachant que c'est de la maille, sur du 42, ça passera. Ça tirera un petit peu plus, mais je veux dire, ça ne sera pas non plus ridicule. Hein. Hop, il est à 49,95, le petit pull. Et vous avez toujours 15% dessus. Donc, article 171. Ensuite, alors ma petite robe, je ne sais pas si vous la voyez. Excusez-moi, je m'arrête en même temps. Faites des phrases courtes parce qu'après je me perds. Merci Marie. La robe kaki, je vous l'ai déjà présentée, mais alors très très rapidement, sans vous présenter les tailles, le prix ou quoi que ce soit. Je l'avais sur moi sur un live hein, pendant les ventes flash. C'est la robe de chez Grace et Mila. On est sur une robe chemise, esprit un petit peu saharienne, hein, du fait des poches plaquées au niveau de la poitrine. Vous avez le lien à la taille, qui fait que vous la resserrez comme bon vous semble. Et du coup, au niveau des tailles, bah, vous naviguez un petit peu entre les deux tailles. Je vais vous faire voir parce qu'ils nous ont fait, du coup, juste en dessous du lien, un très joli plissé. Qui habille, alors, est-ce que, qui habille pas la... Pas la marque, hein, on serait bien d'accord. Ah, Christine, c'est un secret. Aujourd'hui, c'est le blanc, mais il y a d'autres couleurs sur les prochains lives. Après, passons en boutique, sinon, il n'y a pas de souci, ils sont déjà exposés. Hop, voilà, le petit plissé, on dirait pas comme ça, mais du coup, au niveau des hanches, c'est super sympa. Col rond, vous pouvez le boutonner jusqu'en haut si vous souhaitez. Avec un petit bouton contraste. Les autres boutons sont cachés. Voilà. Les autres sont tous cachés. C'est dur à dire, tous cachés. Quand t'es comme ça d'entrée de jeu, c'est compliqué. Tout de suite, à chaque fois, c'est la même chose. Sur le mannequin, je l'ai surceinturé avec la même ceinture que j'ai sur moi. Je vous ferai voir après. Donc, soit... Vous la ceinturez en plus ou pas, vous avez la possibilité, c'est à votre bon vouloir. Les boucles et le collier. Alors, super, merci maman. Mais effectivement, c'est très joli et reste jusqu'au bout, tu sauras pourquoi. Donc, c'est l'article 172, SML, comme d'habitude, chez Grace et Mila. Et elle est à 75 euros. Et vous avez 15% dessus. Après le 173, petite nouveauté. Alors, c'est comme le t-shirt. Je vais vous le décliner en pas mal de couleurs. Pour aujourd'hui, je vous ai choisi le noir. On attaque tranquillement. Hein.
fait encore des températures pas hyper violentes, hein, pour, on est encore en hiver. Donc, un peu compliqué à vous présenter sur cintre, mais voilà, le petit top avec les épaules dégagées. Que vous dégagerez bah, comme bon vous semble, hein. Soit vous le faites vraiment en épaules dégagées, soit vous pouvez faire un col arrondi, col bateau, c'est pas un souci. Vous allez avoir, donc, le petit, c'est pas de la dentelle, c'est pas du macramé, on sait pas trop. 170 pour Alexandra. Pour Alexandra, hop, pas de souci, bah, il est juste derrière toi. Non. Ça marche, je te le mets de côté. Donc, la petite dentelle que vous avez tout autour du col, vous la retrouvez en bas de manche. On est sur une manche, hein. C'est pas une manche pagode, hein. C'est juste une manche droite. Hop, manche au coude. Après, bien entendu, hein, plus vous descendez au niveau du décolleté, plus la manche sera longue. En bas, on est sur un bas un petit peu arrondi. C'est tout flou, c'est pas près du corps, c'est très bohème hein, dans l'idée. Maintenant, vous pouvez très bien le porter à l'intérieur d'un pantalon taillot, ça passera aussi, hein, sans souci. Donc ça, c'est l'article 173. En noir, vous l'avez de 36 au 42. Il est à 49,95, donc toujours avec 15% dessus. Ça, sur du jean, ça sera super sympa. Mais même après, à la vraiment belle saison, short en jean, pas un souci. On enchaîne avec une petite robe fleurie. Pareil, pour aujourd'hui, je vous présente ce coloris-là que j'aime beaucoup, parce qu'on a un mélange de bleu, de rose, de marron. On est sur de la fleur, de loin on peut limite croire à du camouflage, mais de près, voilà, ça donne ça. Donc, la petite robe, pareil, même esprit que pour la robe saharienne de Grace Emila, là on est chez Cream, plutôt bohème, plutôt champêtre. Voilà, avec la petite ceinture, boutonnée tout du long, avec des boutons fondus. Le petit volant en bas, on est sur une longueur genou. De toute façon, c'est l'esprit hein, de cet été. Soit vous aurez du court, soit vous aurez du long. Et c'est tout flou. C'est ultra léger, manche courte. Donc, pour celles qui veulent quand même cacher leurs bras, c'est top. Ça, vous pouvez largement y glisser une petite veste, un petit pull sans manche. C'est vraiment la tendance du moment. Quoi vous dire de mieux, à part que franchement, la matière, elle est top. C'est l'article 174. Donc, sur ce coloris-là, donc rose, plutôt dans les tons de rose, entre guillemets. Vous allez l'avoir en 36, 38, 40. Boutonné que sur le haut. Alors ensuite, le 175, c'est pareil, vous l'avez déjà vu. Je vous l'ai déjà fait passer, mais jamais réellement présenté. La petite chemise de chez Grace Emila, pardon. Donc, chemise tout en voile. Manche trois quarts. Avec un très joli imprimé. Un petit peu de brillant, mais pas de trop. On est sur des tons rouges, orangés. Vous avez la petite découpe en haut. Sur un col rond, mais col V. C'est super à préciser, ça. Hop, derrière, pareil. Vous avez toujours la découpe avec plein de petits plis. Le tombé est super fluide et vous avez hop, le petit débardeur en dessous parce qu'on n'est que sur du voile, donc le débardeur hein, qui va avec avec la chemise. Donc c'est pas du tout une chemise cintrée hein, vu qu'on est sur du voile, donc toute floue qui passera sur du pantalon, du jean, du short, il n'y a pas de souci. Toujours Grace Emila SML, l'article 175. Et elle est à 55 euros avec 15% pour cette semaine par rapport au live. Après, l'article 176, donc c'est la robe que j'ai sur moi. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà montré aussi rapidement sans vous présenter l'article. Cette fois-ci, on s'y arrête. Petite robe en maille. En ce moment, c'est pas non plus les tropiques, hein. Donc, on est sur de la maille fine. Elle se prête très bien au temps actuel.
c'est du près du corps, mais malgré tout, voilà, en haut, hein, vous faites bouser. C'est pas non plus moulant de haut en bas. Plus vous ferez bouser, plus vous la raccourcirez, elle est fendue de chaque côté. Moins vous la faites bouser, plus elle sera longue. Bah, forcément, c'est la logique. Hein. Donc, vous pouvez la porter en dessous du genou ou au-dessus. Donc là, moi, je ne l'ai pas ceinturée hein, avec la ceinture qui est là. Elle n'est pas cachée. Hein. J'ai vraiment ceinturé avec une autre ceinture. Et vous voyez, les passants sont tellement fins, en fait, ben, qu'ils se fondent hein, dans la maille. Parce que vous avez les passants sur les côtés et une ceinture super large. Donc après, vous pouvez, comme elle est longue, dans l'idée, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Soit vous portez un joli nœud devant, soit vous pouvez en faire un double nœud, comme vous avez pu le voir précédemment. C'est pas un problème. Les petits boutons en bas, elle est toute mignonne. Jolie décolleté V. Pareil, là c'est mis là, donc SML, c'est l'article 176, 65 euros et vous avez 15%, voilà, ça donne ça. Après le 177, et ben, du coup c'est la ceinture. Donc là on a vraiment le petit esprit printemps, été qui arrive. On a beaucoup eu de ceintures suédines, imitation cuir, ce genre de choses. Bon, bah là, ça y est, on attaque, on est censé penser et attaquer les beaux jours. Donc, celle-ci, on est sur un esprit un petit peu corde. Voilà, ça donne ça. C'est tout élastique. Donc, c'est de la taille unique. C'est franchement à porter super agréable. Ça tient tout seul. Si jamais vous avez vraiment une petite taille et que, bah voilà, c'est un petit peu trop long. Voilà comment ça se porte, tout simplement. Le petit... Passant, ouais, on va dire ça. Boucle, boucle, c'était mystère. La petite boucle, imitation bois. Voilà. Donc là, c'est taille unique. Donc, vous n'hésitez pas, hein, parce qu'alors, du 34 au 40, on va dire au 42, sans problème. Du tout, parce que c'est vraiment ultra élastane. Elle est à 24,95. Ça donne ça. Et vous avez 15%. Voilà. Et pour finir. Un petit flash. Petit article que vous connaissez. Grâce à Mila. Le petit pantalon un petit peu printanier. Moi que j'aime beaucoup. Généralement, tenue du style parisien. Voilà. Français. Très français, le pantalon. Très, très mignon. Taille haute. Ciment, on va dire, au niveau, de la... au niveau du coloris. On est sur un gris clair. À pince. Vous boutonnez, hein, fermeture zip hein, au niveau de la braguette. Pince devant. Poche passepoil derrière. Une poche passepoil. Donc ça, sur basket, sur talon, ça passe très très bien. Associé, hein, un petit style un peu plus sport, par exemple, sur basket. Et sur un petit style bien plus chic, hop, sur petit talon, c'est pas un souci. Alors, une petite vente flash, parce que du coup, le pantalon, il est à 50%. Il va me rester du S et du L. Donc, celles qui ont l'habitude hein, des pantalons Grace et Mila, c'est qu'ils taillent vraiment comme les autres. C'est pas un souci. C'est de la taille haute. Le L fera un 40. 42, mais vous aurez moins l'effet flou. Hein. Il sera un petit peu plus moulant. À la base, il est à 49 euros. Et donc, il est à 50%. Article 178. Chemise en jean en X. Celle-là, non, je vais déjà, non, j'en ai qu'une pour l'instant. Ça va être épuisé. Par contre, je te tiens au courant, Elodie, si tu veux, je vois si je peux en avoir d'autres. Pas de souci. Ah, voilà, c'est tout bon pour ma sélection. C'est bien, hein, tu ranges ta chambre maintenant. T'as vu J'ai pas oublié de taille, j'ai pas oublié de prix, je ne crois pas. T'as tout donné.
Je suis pas mal. J'ai presque la pression. Allez, à tout à l'heure. J'ai presque la pression. Ouais, sûrement. Ah, si. Allez. Bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas vus au début, notamment bonsoir Florence, je crois que tu es parmi nous, donc salut, salut. Et puis bonsoir à la petite famille. Alors, Rayon Homme, nouvelle collection. Alors ce soir, on aura principalement du Benson. Oui, principalement du Benson. On aura quand même une tenue, on va dire, chez Carlos Cordoba. Voilà. Donc, on démarre. Allô ? 178, s'il te plaît. Alors, excusez-moi, avant que je démarre. Parce qu'il faut toujours qu'on me coupe, moi. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tu peux regarder si c'est la chemise en jean. Parce que j'ai donné les numéros, mais je ne me rappelle pas. 178 ? Oui. Ah non, ce n'est pas la chemise en jean, c'est le pantalon. Oui, en S, il tira, Sabi, pas de souci. Ok, c'est noté, Sabi. Hop. Allez, j'ai fait un faux départ, on y retourne. Alors, t-shirt de chez Benson. Celui-ci, alors on l'a fait l'an dernier dans un autre coloris que j'ai présenté d'ailleurs dans un des derniers lives qui était sur un ton plutôt beige. Je vous avais dit qu'on l'avait cette année sur un fond marine et orange, donc voilà, voilà. Alors, je m'approche pour le motif. Voilà. Donc, petite poche poitrine. Alors, on est sur un t-shirt col rond, mais qui fait quand même plutôt habillé, hein, puisque fantasy. Vous voyez. Avec liseré orange marine blanc sur la manche, manche élastiquée, pardon, comme toujours. On retrouve le liseré sur le col rond. Voilà. Au niveau du dos, pareil. De rien, Samy. Merci, Marie, pour tes encouragements. Ah, ouais, j'ai carrément des encouragements. Ça me touche. voilà, donc, comme je disais, hein, plutôt fantaisie, hein, on est quand même sur un motif assez chargé. Voilà, donc vous mettez ça avec un plusieurs chinos de plusieurs couleurs, hein, peu importe. Là, pour le coup, moi, j'ai choisi une couleur que je vais vous montrer après, plutôt terracotta, donc qui se rapproche, on va dire, du orange, mais qui passera aussi très bien avec du marine, qui peut aussi très bien passer d'ailleurs avec du jean clair, hein, comme j'ai sur moi, par exemple. Voilà, donc je dirais le t-shirt habillé qui fera la saison largement, qui va bien. Alors, au niveau des tailles, on a du M au double XL. C'est l'article 149. Prix 33 euros, moins 15%. Juste un détail aussi sur la compo, parce que là, on doit pas être sur du 100% coton. On est sur du 65% coton, 35% polyester. Voilà. Merci Marie. Marie, bientôt elle va te jeter des fleurs. Ah, ça me ferait tellement plaisir. Tu te calmes, Marie. On se calme. Ensuite, deuxième t-shirt de chez Benson. Alors pareil, celui-ci aussi, on l'avait fait l'été dernier sur un coloris kaki que j'ai aussi présenté et vendu dans la dernière bande flash ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Cette année, il est marine. Voilà, je me recule un petit peu, parce que le marine avec la lumière, c'est toujours compliqué. Voilà, on voit toujours mieux de loin, je trouve. Donc, fond marine uni. On est sur un 100% coton, là, pour le coup. Sur le liseré de la manche, on sera sur du beige-orange, qu'on retrouve également sur le col. Dos uni. Voilà. Et au niveau du logo, on retrouve également les mêmes couleurs. C'est compliqué, là. Marron. En tout cas beige, et puis le casque orange au milieu. Beige, ouais. qui tend sur le kaki. Ouais, non, ça tend pas sur le kaki. Ouais. Là, t'es loin, par contre. Ou c'est le repas de famille, je sais pas. Voilà, donc, article 150, détail dispo du MOXL, prix initial 29,95, moins 15%. Voilà, donc pareil, hein, associé aussi Bermuda, Chino, Jean, voilà, pour le coup, là, on va tout mettre avec. Hein, alors, bien évidemment, on fait toujours attention à la couleur, mais encore une fois, on est sur un fond marine, hein, donc le marine chez l'homme, hein, grande histoire d'amour. Tout y passe. Alors, celui-ci, je vous en ai parlé la semaine dernière, et eh bien, le voici. C'est déjà un gros succès en magasin, donc, alors j'ai encore toutes les tailles, mais il y a des tailles qui sont déjà bien épuisées.
Polo de chez Benson. Alors, pourquoi gros succès? Parce que on est sur un zippé, voilà, que ça change un petit peu. Alors, je vais vous le refermer pour que vous puissiez voir le motif quand même. Il fait partie de la gamme tricolore, le blanc-rouge. Alors, on est sur un thermocollé ici, hein. Voilà, au niveau de la fantaisie. Manche élastiquée, liseré blanc, qu'on retrouve également sur le col du polo. Voilà, donc, avec col élastiqué aussi. Et qu'on ouvre à sa guise en fonction de comme on aime porter, tout simplement. Voilà, donc là, pour le coup, je dirais que c'est à la fois, il y a le côté pratique, hein, parce que le zippé est quand même assez pratique. On reste sur un modèle assez sport. Et surtout, bah, le zippé, ça change du boutonné, voilà, parce que le polo classique chez l'homme, ça reste le boutonné quand même. Donc voilà, donc on change un petit peu avec le nouveau logo de cette année. Voilà. Donc taille dispo du S au 3XL, article 151. On est sur un 100% coton, hein, je ne l'ai pas précisé. 39,95 à la base, moins 15%. Voilà, je me recule. Voilà. Alors, un deuxième polo qui, lui, a encore plus de succès, puisque là, par contre, j'ai déjà des tailles d'épuisées. Je suis désolé, mais il fallait quand même que je vous le présente. Donc, toujours chez Benson. Alors, pourquoi gros succès? Parce que, ben voilà, un petit peu de nouveauté. On a mis une touche de vert cette année sur les fantaisies. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça change un petit peu. Voilà. Alors, Xavier, 151, taille L, c'est noté Xavier. Donc, touche de vert, avec le liseré blanc, on est sur un col boutonné, pour ceux qui préfèrent. On retrouve également le liseré sur la boutonnière. Voilà. Logo, tout blanc. Dos uni, 100% coton, fond marine. Voilà, donc celui-ci a déjà beaucoup de succès, comme je disais, en boutique. Donc au niveau des tailles disponibles, on a du S au double XL, en sachant que le M est épuisé. Voilà, sinon toutes les tailles, il y a encore un petit peu. Prix, 34,95, moins 15%, article 152. Voilà. Alors ensuite, c'est tout simplement la chemise que j'ai sur moi, que je vous avais déjà un petit peu présentée lors des ventes flash. Je reviens dessus parce que là, c'est officiel, on est sur la nouvelle co. Et que pour moi, cette chemise va clairement être un des cartons de ce printemps. Voilà, de coloris. Alors je vous montre d'abord le blanc. À titre personnel, j'adore. Revers de... Tu vas dire la même chose sur l'autre. Ouais, mais j'adore tout, moi, de toute façon. Ouais. Revers de manche avec une bande effet jean, d'où le jean en bas. Le détail qui compte. Sur le col, on retrouve également l'effet jean, le petit logo brodé de chez Benson. Donc, on est sur un fond blanc fleuri. On va dire, alors c'est orange presque tend sur le rouge, hein, ouais, quand même, avec fleur grise. Voilà, en tout cas, l'imprimé est vraiment très très joli, je trouve. Alors, elle est coupée slim, donc on n'a pas de pince, mais elle est un petit peu coupée slim, pas trop non plus. Hein, pour le coup, bah, c'est plutôt, je dirais, la coupe standard. On est toujours sur un coton très très stretch, très élastane, donc c'est ce qui amène du confort sur la chemise. Voilà, donc porté, bah, ça donne tout simplement ça, vous voyez. Donc très bien coupé. Sèvres aussi adore. Merci Sèvres. Et on l'a également en fond marine. Alors, même fantaisie, hein. Toujours le petit revers effet jean. Alors je ne vous ai pas montré sur la blanche, mais... je vais vous montrer sur la bleue. On a également le petit liseré orange sur la boutonnière. Je m'approche. Voilà.
qu'on retrouve également ici, aussi sur le col d'ailleurs. Voilà, donc bah, la bleue est aussi très belle, hein, pour tout vous dire, il a fallu que je choisisse, c'était horrible. Il a fallu que je choisisse entre la bleue et la blanche. Alors bon, j'ai choisi blanc parce que j'ai plutôt le teint mat. Donc forcément, bah, les couleurs claires, pour moi l'été, ça va plutôt bien. Mais honnêtement, j'avais aussi beaucoup, très envie de prendre la marine. Voilà. Sa vie est dure en fait. Ouais, c'est rude. Donc, elle est portée sur le mannequin que vous voyez au fond. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, une fois portée, voilà, ça donne ça. Donc, passe très bien aussi pour la saison. Donc, que ce soit la blanche ou la bleue, article 153, taille dispo du S au double XL, prix 59,95, moins 15%. Ensuite, alors, ce soir, je vais vous présenter les petits pulls fins, col V, unis, classiques, qu'on met tout le temps. Voilà, ça fait partie des basiques, hein, de la garde-robe, ou plutôt du dressing de l'homme. Alors là, pour le coup, quand je dis pull fin, c'est vraiment, par contre, du pull fin, donc c'est vraiment du printemps-été. Pourquoi je précise? Parce que on est presque sur du t-shirt manche longue. Généralement, je déconseille de mettre de la chemise dessous pour deux raisons. La première, c'est que comme c'est très fin, forcément, bah, dès que la chemise plisse un petit peu dessous, on va voir les plis, donc ça ne fait pas forcément très joli. Et puis surtout, comme c'est très fin aussi, bah, ça crée un peu d'inconfort. Après, il n'y a pas d'interdiction. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Mais voilà, moi, c'est ce que je préconise en tout cas. Donc si on veut mettre quelque chose dessous, ce sera du t-shirt manche courte, col V plutôt près du corps, mais pas plus. Bah, voilà. Col rond, ça marche aussi. Moi, col rond aussi, ça marche, oui, bien évidemment. Je dis col V parce qu'on a un col V. Mais col rond, ça marche aussi. Donc, je vous présente là, pour le coup, le marine. Alors, j'ai essayé de vous montrer la couleur du logo. Ça brille à fond, je ne vois pas bien. Compliqué. Alors, le logo, je vous le précise, il est blanc autour et l'intérieur, le casque est en fait bleu indigo. Bleu ciel, même, on va dire. Au niveau du pull en lui-même, on a bord-côte sur les manches, bord-côte en bas, dos uni, on doit être sur un 100% coton, je vais vérifier tout de suite. Eh bien, pas du tout, 50% coton, 50% acrylique. Pourtant, au toucher, on a vraiment le sentiment que c'est du 100% coton. Ah, mais c'est doux. C'est très, très doux, très confortable, très agréable à porter. Petit liseré sur le col. Orange et ciel. Voilà, donc bah, c'est le pull classique, hein, chez l'homme, que la plupart des hommes mettent, hein, j'ai envie de dire. Alors, marine. Indigo. Bleu indigo, qui a déjà beaucoup de succès aussi en boutique. Ouais, très grande surprise d'ailleurs. Non, parce que du jean, c'est trop joli. Oui, mais bien sûr, mais je ne pensais pas que ce serait celui-là qui partirait le plus vite. Généralement, chez l'homme, c'est le marine, hein, qui part en premier. Là, pour le coup, l'indigo a vraiment du succès, donc ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de voir que quand on amène du changement, ça fonctionne. Logo blanc, casque bleu ciel. Voilà, dos uni. Donc là, on est sur le bleu indigo. Et pour les plus aventuriers, les plus fougueux, on a le jaune. Alors que moi, j'affectionne particulièrement... je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais présenté également de la nouvelle collection un chino prince de Galles gris très clair qui va très bien avec. Jaune gris, ça fonctionne très bien. Mais qui fonctionne aussi très bien avec le jean clair que j'ai sur moi, qui fait aussi partie de la nouvelle co. Le jean, je ne voulais pas représenter parce qu'en fait, il est épuisé déjà. J'en ai plus, donc bah, voilà, désolé. Le logo rouge, donc pour le coup, qui ressort bien. Hein, on reste quand même... sur cet esprit un petit peu sport, toujours, chez Benson. Voilà, et puis bah, le jaune, après, bah, effectivement, là, pour le coup, je ne vais pas vous le cacher, ça ne va pas à tout le monde, mais en tout cas, il y en a qui aiment les couleurs. Non, mais c'est vrai, il y en a qui n'aiment pas, il y en a pour qui ça ne va pas au teint, etc. Après, ça, c'est il en faut pour tout le monde, et puis surtout, on est content de voir arriver de la couleur sur le printemps-été, tout simplement. Voilà, donc, bah, jaune... jaune plutôt, il n'est pas très vif, hein, mais il n'est pas très
Il n'est pas non plus il est pas soutenu, paille. Hein. Mais il n'est pas non plus jaune paille, effectivement. On entre les deux. Voilà. Donc, trois couleurs. Taille dispo M double XL pour les trois couleurs. Donc, entre le M, L, XL, double XL pour les trois couleurs. Prix. Roulement de tambour. 39,95 moins 15%. Je vous remonte rapidement. Jaune. Marine, indigo. Voilà, donc si toutefois vous êtes intéressé, précisez bien la couleur, s'il vous plaît. Ensuite, alors on passe chez Carlos Cordoba. Alors, je vais peut-être en surprendre certains, ou certaines, je ne sais pas. Mais je kiffe cette chemise à rayures. Eh ouais, mais elle comme est quoi, superbe. Mais comme quoi. Alors, chemise de chez Carlos Cordoba, marque que j'ai jamais sur laquelle je me suis jamais trop arrêté jusqu'à maintenant. Alors, je vais quand même, je vais pas vous raconter l'histoire de l'entreprise non plus, hein, mais. Tu la connais pas. Bien sûr que si, je la connais. Je sais avec qui je travaille. Marque 100% espagnole, création, fabrication, tout est fait dans la ville de Cordoba. Voilà. Donc, ils travaillent, ils sont très attentifs au coton. Avec lesquels ils travaillent, voilà, parce qu'ils sont à fond dans le coton naturel, etc. Donc pour le coup, bah, voilà, ça fait partie des intérêts de certains clients aujourd'hui. Donc, bah, ils sont à fond là-dedans. Alors, je m'approche pour le motif. On est sur un fond bleu fleuri avec petites rayures blanches fines, col boutonné. On est sur une coupe droite. Donc là, pour le coup, qui n'est pas cintrée du tout. Hein. Donc, c'est plutôt confort, plutôt à l'aise. Le marine pour Xavier, c'est bon. C'est noté, Xavier. On retrouve également, comme un peu sur la chemise Benson, un effet de jean sur le col. Qui, par contre, pour le coup, là, sur le revers de manche, on n'a rien de spécial. Alors, je vous le montre quand même, mais voilà, il n'y a rien de particulier. Ça reste le tissu de la chemise. Alors que moi, personnellement, j'associerais beaucoup cet été avec un Bermuda blanc que je vous montrerai bah, dans les prochains lives, si j'ai l'occasion. Voilà, alors je la trouve très classe, en fait, je trouve que le motif est très classe, hein. On est un peu esprit un peu dandy, hein. Vous mettez un Bermuda ou un pantalon blanc, mais autre chose aussi, ça passe. Pour le coup, moi, je l'associerais vraiment voilà, sur du blanc, en tout cas sur du clair. Mais ça passera aussi très bien sur des couleurs un peu plus chaudes, hein. Je vous montrerai après, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc bah, rien de plus à dire sur cette chemise. Ça reste quand même assez confort hein, chez Cordoba. Là, pour le coup, en plus, comme je disais, c'est une coupe droite, hein, donc ça se porte plutôt... Là, on n'est pas sur du près du corps, hein, clairement. Voilà, donc taille dispo SML, en sachant que ça taille un petit peu grand. Donc moi, pour le coup, vous voyez, je mets du L en cintré. Si je la prends pour moi, je prendrais du M, hein, clairement. Donc c'est pour vous donner un repère, exactement. Article 155. Prix 59,95 moins 15%. Voilà. Et donc, toujours chez Carlos Cordoba, on attaque les chinos d'été. Alors, je vous en présente un ce soir, ou plutôt, je vous présente une couleur ce soir, parce qu'on en a en plusieurs couleurs, bien évidemment. Donc, ce soir, j'ai choisi le terracotta. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, voilà, je vais me mettre de ce côté, ce sera mieux. C'est le chino qui est porté sur le mannequin, qui s'associe très bien avec le marine, et notamment avec la chemise, avec les petites touches d'orange qu'elle a déjà. Bah, au niveau des fantaisies, on reste sur des fantaisies classiques que vous avez l'habitude de voir maintenant sur les chinos chez nous. Hein. Voilà, avec les poches traditionnelles du chino derrière. La petite fantaisie bleue sur le passant. Les boutons cousus en bleu. La petite sérigraphie Carlos Cordoba autour du bouton. Voilà. Poche italienne. Alors là, bah on est sur un tissu, un coton très léger. On est sur du 97% coton, 3% élastane. C'est bah, le produit qu'on vend le plus en été hein, sur les chinos. Voilà, c'est ce qu'on vend le plus. Clairement. Cérémonie, pas cérémonie. Ouais, c'est vraiment le pantalon là, qui passe partout. Hein, je le dis souvent, je le redis. Hein, c'est...
vous mettez une chemise habillée, des chaussures, bah voilà, ça fait une tenue de mariage. Vous mettez t-shirt, basket, on est sur une tenue un peu plus cool et ça passe tout aussi bien. Voilà, donc c'est vraiment tout usage. Donc, comme je disais, on le décline en plusieurs couleurs. Ce soir, j'ai choisi le terracotta par rapport à la sélection. Mais vous aurez l'occasion de voir d'autres couleurs, bien évidemment, si vous passez en boutique ou lors d'autres lives. Prix initial, 65 €, moins 15%. Taille dispo, du 40 au 46. En sachant que c'est une coupe, ils disent slim, moi je dis demi-slim. C'est pas trop serré. Hein. Voilà. Pour finir la tenue, bien évidemment, on met une ceinture obligatoire. C'est comme en voiture. Ceinture obligatoire. Les ceintures de chez Benson, 100% cuir. Je vous montre les deux coloris en même temps. On a du marron, du noir. Boucle métal. Alors pour le coup, on a des ceinturons qui sont vraiment dédiés au jean. Là, c'est vraiment de la ceinture qui passe partout. Hein. Vous allez mettre autant avec du jean qu'avec du chino, qu'avec du bermuda. Vraiment, c'est tout usage. Pour le coup, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je la vends comme ça et ça passe très bien. Elles sont taillées. Donc, en fonction de votre taille de pantalon, bien sûr, on vous aidera à choisir la taille de la ceinture. Petite précision, toutefois. Si on a des tailles qui sont épuisées, qui vous, voilà, que vous n'avez pas, on peut, elle se règle en fait. Voilà, donc ça je vous le fais. On peut régler en fait à la taille tout simplement, donc ça ne sera pas un problème. Donc je l'ai dit, 100% cuir. Prix initial 34,95, moins 15%. Article 157. 157. Voilà, et puis bah, article de dernière minute, parce que comme madame a décidé de faire une petite vente flash, bah, j'ai dit je vais en faire une aussi. Il n'y a pas de raison que les hommes n'en aient pas. C'est ça. Donc bah, c'est tout simplement pour finir la tenue que je vous ai présentée. Le petit blazer qui va bien de chez Benson. Alors là, pour le coup, on est sur un gris très clair, donc très très printemps-été. Hein. Rose à l'intérieur, moi je le trouve juste trop classe. D'ailleurs, je l'ai porté cette semaine et il me semble même l'avoir mis en story cette semaine. Le pli d'aisance très très fleuri. La petite poche qui va bien avec la pochette qui n'est que la doublure, je vous rappelle, de la poche. Si on n'en veut pas, on rentre dedans. Le petit casque Benson en pins. Si on n'aime pas, on enlève aussi. On est sur une matière très très élastique. Voilà, vous voyez, c'est très vraiment confort. Pas d'épaulettes. Donc ça veut dire qu'on reste quand même sur un modèle un peu sport. Deux poches plaquées. Une fausse poche en dessus pour la fantaisie. Et à l'intérieur, deux poches. Je vais y arriver. Hop. On a une poche intérieure sur la gauche. Classique et une sur la droite boutonnée avec les liserés qu'on retrouve également sur les poches. Voilà, au niveau de l'aspect, on est sur comment on appelle ça, c'est un peu chiné ouais. En fait c'est vraiment on va dire c'est un fond gris mais qui est bleuté, donc je sais pas si vous vous rendez bien compte à l'écran, c'est pas évident, mais de loin d'ailleurs on voit hein, on voit que c'est quand même plutôt bleuté. Voilà. En tout cas, je la trouve très classe, cette veste. Taille disponible M, L, XXL. Prix initial 96 €. Et puis, on va faire comme madame, moins 50%. Donc, si vous avez... J'ose pas trop le dire. Mais je vais le dire quand même, parce que hier, on a des clients qui sont venus s'habiller pour un mariage. Donc, qu'est-ce que ça faisait plaisir d'habiller ? Déjà, qu'est-ce que ça fait plaisir d'habiller des clients pour un mariage ? Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui s'organisent malgré tout. Donc, si toutefois, vous avez des événements de ce type-là, eh bien, on est aussi là pour ça. Voilà, donc après, bah, ça fait la bonne occasion, si toutefois un événement se propose pour vous, de faire une bonne affaire sur un blazer. Ou en prévision de 2022, on ne sait jamais.
ou en prévision 2022, on ne sait jamais, effectivement. Ben voilà pour la sélection homme. Donc, on est, je le redis, on est super content d'embrayer sur, sur le printemps-été. Hein. Vous avez vu, il y a de la couleur, il y a de la fleur. Oh, ça fait plaisir. C'est dommage, par contre, on a un temps pourri ce soir. Bah, ouais, mais c'est pas grave, ça met déjà du soleil. Dans 15 jours, on y croit, etc. On lance la saison. Voilà, bah, écoutez, on reste dispo, en tout cas, par message. J'ai pas donné le... Si, j'ai donné le numéro de, du pantalon. C'était le numéro 156, hein, il me semble. Je crois que je l'ai pas donné. Hein. Bref, au cas où, on est là par message, hein, on n'hésite pas. Voilà, voilà. On va recevoir maintenant notre invité du soir. Alors, notre invité du soir, je ne sais pas par quoi commencer. C'est une artiste, c'est une créatrice, c'est déjà une star sur TV Chalon. Ah ouais, attention, je veux dire, il y a du niveau et nous, on passe on au deuxième. On a presque la pression. Hein. Elle est dans sa semaine People. Vraiment, voilà, c'est télé, c'est photo, c'est dans tous les sens. Oui, hein, shooting et tout, c'est de la folie. Moi, j'avais la pression avant de démarrer le live, hein, ce soir. Hein. Gaëlle, pas de soucis. C'est noté, Gaëlle, pardon. Donc, ce soir, on reçoit donc tout ça en même temps. En une seule pour, personne. En une seule personne. et pour finir, oh, c'est notre voisine. On est quand même privilégiés. Vas-y, je t'en prie. Allez, je te laisse te présenter. Bah, t'as la pression. Tous, ouais, il vient de me mettre une pression là. Mais non, là, on est détendu. Vous ne me connaissez pas, mais c'est pas possible. Vous avez loupé des trucs. Donc bonjour à tous. Oui, donc universel, connu universel partout dans le monde entier. C'est ça. Donc je suis Lucie Lorton et je travaille le verre et j'ai mon atelier. Tout à fait, aux 8 rues du commerce, dans la rue, voilà. Dans la mer, dans la dans non, the rue, the un petit peu, street. Voilà. The street. Attends. C'est la street de l'athlète. De l'athlète, ouais. Je veux dire, c'est là que ça se passe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je vous ai amené, ça, c'est ma matière première, c'est les baguettes de verre avec lesquelles je travaille. Et donc, moi, je suis fileur de verre au chalumeau. Donc, je vais faire fondre mes verres dans la flamme et je vais créer principalement du bijou. Donc, voilà. Voilà, tu as un très beau collier. Des maman, c'est le moment. Hein. Ouais, Michel, c'est le moment. Hop là, vous voyez, il y a des petites incrustations dedans. Attendez, j'ai de la feuille d'or. Si ça te dérange non, pas. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, voilà. En fait, c'est de la feuille d'or qui est inclue à l'intérieur du verre. Et là aussi. Non, là, il n'y a pas de feuilles d'or, ça c'est juste des verres colorés. Mais par contre, tous les supports de boucles d'oreilles sont des supports argent. Voilà, après, donc moi, je fais principalement des bijoux, des perles, donc je vais mélanger toutes mes couleurs. J'ai plus de 80 couleurs de baguettes. Donc, je réponds beaucoup aussi à la demande. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des idées, si vous avez une robe, une cérémonie. Ah oui, ça on l'a fait d'ailleurs même. Voilà. Quand on faisait les festivals, quand à l'époque on avait le droit de faire mais oui, le festival, mais voilà. Elle habillait les tenues pour les mannequins. Exactement, et en fait c'est ça, on choisit ses couleurs, on choisit la forme qu'on veut, et en plus je vais m'adapter aux morphologies de chacun pour faire les décolletés, si vous voulez très plongeant dans votre décolleté ou plus court. Si vous avez des décolletés, pas. Voilà. Donc, on n'oublie pas, voilà. Moi, quand je travaille sur commande, j'ai besoin d'un peu de temps quand même pour réaliser, donc... La fête des mères, c'est pas tout de suite, mais c'est pas loin. Donc, on fait plaisir, aux exactement. Autres, aux grands-mères, si on a oublié, sans souci. Non, c'est notre créneau, hein. On l'a dit ce soir. Et ben, c'est pour ça. Ouais, elle a embrayé. Ils viennent dans la rue. Ouais, voilà, j'ai pas dit mère. Que vous dire d'autre? Donc, là, j'ai parlé principalement des bijoux. J'utilise la même technique pour faire de la déco, mais j'utilise aussi plein d'autres techniques, en fait. Donc... Je fais la technique du vitrail. Donc là, ça fait un petit... je sais plus comment ça s'appelle. Un petit serre, en fait. Oui, c'est vrai. Un vivarium. Où on met ce qu'on veut dedans. Mais aussi, là, en ce moment, par exemple, j'ai une... je suis en train de réaliser un vitrail. C'est un miroir pour une salle de bain. Donc le but d'un miroir, c'est... vous savez où vous voulez le mettre. Vous savez les couleurs que vous voulez. Vous savez les dimensions que vous voulez. Et après, on fait un dessin, on fait un devis ensemble, en fait, pour... Alors, moi, j'ai une question. L'autre matière, c'est toi aussi qui fais ?
Ben en fait, c'est soudé. Je découpe toutes mes pièces, ouais. Et après, c'est soudé à l'étain. Et après, c'est patiné pour faire. Mais c'est toi qui fais ça aussi. Bah oui. Ah, mais oui. Je... Bah, attends, mais. Alors, à 20 mètres, dans le The Suite, attends, ça repart chez lui, en fait. Et franchement, allez-y avec moi. Je pense que ça, c'est à cause de l'introduction. Je dis ça parce qu'en fait, je le sais, mais il y en a qui le savent. Non, pas. C'est vrai. Tu vois, le mec. Dérattrapé. Oui, c'est moi qui soude. Voilà. Donc là, c'est un vitrail, une technique Tiffany. Après, je fais des vitraux au plomb. Au plomb. Et oui, non, c'est bon. Elle était pas en pas de famille avec nous, elle. Il y a un moment, il va falloir arrêter les dimanches soirs. Enfin, on va faire un petit sondage et puis on verra quel autre jour va le mieux. C'est pour tout le monde pareil. Du coup. Et donc voilà, ça c'est une autre technique, c'est du fusing. Et donc là, voilà, ce sera des pièces qui prendront la lumière. Ça, c'est super fragile. Donc, ouais, c'est très fragile. Donc je les ai mis dans les mains de Caro. Donc voilà. Et après, c'est pareil. Si vous avez des idées d'une réalisation que vous aimeriez, ben après, on en discute. On voit. Et puis, de toute façon, je vous fais un devis pour la chose. Exactement. Yes. Sinon, que vous dire? Vous dire que ben, ça a été un peu difficile. Donc, merci d'avoir été là cette fin d'année en décembre. Vous avez été super. Vous êtes bienvenue dans la rue. Donc, c'est parce que tu m'as dit que toi, toutes tes expos, elles étaient... Après, nous, c'est compliqué, en fait, au niveau des artisans d'art, parce qu'on travaille beaucoup sur des expositions et rien n'est possible. Là, on n'a pas encore statué pour les portes ouvertes des artisans embryonnés, mais ça va être compliqué. Donc, c'est vrai que ben n'hésitez pas à venir à l'atelier. Donc, moi, je suis... Alors, on se moque souvent de moi parce que mes horaires d'ouverture, c'est le mardi. Donc, vous pouvez venir quand c'est vous voulez artistique. Le mardi. Non, c'est pour ça que c'est un atelier. C'est un atelier. C'est exactement ça. Moi, je suis un atelier. Donc, en fait, vous me trouverez souvent à l'atelier le matin à partir de 8h30, entre midi et 2. Mais je ne suis pas là tout le temps parce que je vais être en expo, je vais être chez mes fournisseurs ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous faites un petit message, vous faites un petit SMS et un petit appel. Oui, mais il y a des fois les SMS, j'aime bien. Donc ouais, en plus, aujourd'hui, je pense que vraiment le pli auprès de tout le monde a commencé d'être pris, hein, justement, parce que j'allais embrayer sur tes réseaux sociaux. Et le plus simple, de toute façon, c'est de passer effectivement par les réseaux, par les pages Facebook, par les pages Insta. On envoie un petit message via ces pages-là et c'est le plus simple, je pense, pour prendre rendez-vous, en tout cas, être sûr de te trouver. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Et donc, comme c'est compliqué, je suis aussi dans différentes boutiques de créateurs et donc je fais des permanences dans ces boutiques. Donc, par exemple, je suis à la boutique de Rouen, à Chéri Bambel, donc automatiquement, je ne suis pas à l'atelier. Oui, voilà. Et on est, enfin, si ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils sont en train de voir qu'on monte aussi un truc à Charlieu. Donc, bien sûr que je suis là. Vous venez me voir. En plus, voilà, vous pouvez venir me voir travailler au Chalumeau. Donc là, c'est pareil, il faut me contacter parce que techniquement, quand même, j'ai besoin d'infos, j'ai besoin de différentes choses. Et je ne suis pas tout le temps au Chalumeau. Donc, c'est quand même plus sympa quand vous venez faire une visite de me voir travailler que de me voir en train de faire un montage de perles. Ça fait partie du job, mais c'est moins drôle. Donc, vraiment, un message pour me dire que vous venez et il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Au pire du pire, nous, on est tout le temps là. En tout cas, on tant qu'on est ouvert. Je vais vous montrer comment on travaille le verre. Vous allez me faire des démonstrations. Nous, on est si, l'office du tourisme. Si toutefois, voilà, les clients ont besoin de te joindre sans savoir comment, bah, notre porte est aussi ouverte pour ça. On est aussi là pour fournir les numéros. Alors, par contre, on le fait que pour notre rue. Hein. Après, on s'en sort plus. Donc, voilà. Ok, donc, du coup, Insta, Facebook. Insta, alors, c'est encore un autre travail de faire le commercial sur Insta, de faire des belles photos avec du verre où on me voit dedans. Donc, j'y travaille. Mais j'aime bien mon travail au Chalumeau. Ouais. Et j'essaye de... Voilà, je fais de la communication. Donc oui, j'ai eu Chalon Télé cette semaine. J'ai eu trois caméras devant moi qui me filmaient la star. Je suis là ce soir. Elle va y prendre goût. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement je peux revenir ça. La semaine prochaine. Mais bien sûr. Avec plaisir, de toute façon, la porte est ouverte. Juste une petite précision, parce que ça, je le dis quand même. Sur ta page Facebook, il me semble, je n'ai pas sûr d'avoir vu sur Insta, il y a une vidéo qui a été faite sur ton travail que je vous invite vraiment à aller voir, qui est très bien faite. C'est vrai. Merci. Honnêtement, c'est vraiment super bien fait, c'est pro. Ça permet de voir techniquement, parce que là, c'est très sommaire, je vous ai juste montré ma matière première, mais c'est vrai que la vidéo qui m'a fait, qui n'est pas trop longue, moi non plus, je déteste les vidéos trop longues où on arrête. Voilà, ça vous montre exactement mon travail. Ouais, donc vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est le meilleur moyen, je trouve, de découvrir
ce que tu fais, on va dire, dans les grandes villes. Et puis venez, venez. Et puis bien sûr, évidemment. Bien sûr. Ok, je peux toujours venir avant. Tu restes au milieu, tu es l'invité. C'est toujours l'invité au milieu, attention. D'accord, d'accord. Je sais pas. Comme tu le sens. Lâche ton homme. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Dispo sur les réseaux en priorité de toute manière. Et puis, voilà, bah, c'est un peu comme pour nous, même si je dirais que nous, nos permanences sont un petit peu plus fixées, régulières, parce qu'on ne fait pas le même métier non plus. On n'est pas un atelier, nous, on est juste un commerce, hein, donc forcément, on a des horaires à tenir. Voilà, quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux sont le meilleur moyen pour prendre contact. Ouais. Il y a également ton site internet qu'on n'a pas. Il y a mon site internet, pareil, c'est un travail de fou, mais c'est l'objectif 2021 pour un site. Eh bien, bienvenue dans l'objectif. Rendez-vous compte du travail, s'il vous plaît. Ok, en tout cas, merci d'avoir été avec nous encore ce soir. Pour nous, on se retrouve dimanche prochain. Nouveau live, nouvelle invitée. Même heure. Ce sera, je vous l'annonce déjà, le dernier du mois. Puisque le 20, je suis sûr. Ah. Je suis sûr parce que le 28. Voilà, le 28, on n'est pas disponible. On zappe un live quand même. Pour Jérôme, hein. Ouais. J'espère qu'il regarde ce soir. Fais pas le con parce qu'il y a plusieurs Jérômes quand même. Alors, Jérôme, si tu... Ouais, mais j'ai pas dit quel Jérôme. Après, chacun des... Non, mais attends. Vous allez être invité par... Moi, j'en connais quatre. Hein, donc, On va s'éclater. Je dirais pas c'est lequel. Bon, allez, bref. On vous remercie tous, toutes, et on vous dit à très vite. Bye. Bye. Merci, bye.